Coucou, c'est Ferrel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle recette pour faire pousser vos cheveux. Une recette très simple. Pour cela, il vous faudra une pomme de terre. Nous allons râper la pomme de terre avec la peau pour pouvoir par la suite en extraire le jus. Le jus de pomme de terre contient entre autres du zinc et du fer qui va permettre d'aider à la pousse des cheveux. Une fois que j'ai râpé ma pomme de terre, je vais tout simplement venir filtrer le jus. Je vais juste utiliser une petite passoire et un petit bol pour pouvoir le récupérer. Je vais tout simplement prendre une petite fourchette pour pouvoir récupérer un maximum de jus. Ensuite, je vais mettre cette solution de côté et je vais passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, je vais utiliser des clous de girofle. Les clous de girofle vont aider à stopper la chute des cheveux et faire pousser vos cheveux plus rapidement et leur donner beaucoup plus de volume. Pour cela, je prends une cuillère à café de clous de girofle. Je rajoute à cela un petit verre d'eau, l'équivalent de 150 ml. Et je vais mettre cela à bouillir pendant 10 minutes. Une fois que la préparation a bouilli, je vais tout simplement la retirer du feu et laisser refroidir pendant 15 à 20 minutes. Je reprends ma première solution avec mon jus de pomme de terre et je vais rajouter à cela ma préparation de clous de girofle que je vais filtrer. Une fois que j'ai mon mélange, je vais tout simplement le mettre en bouteille. Je vais le transvaser dans un petit verre, ce sera plus facile pour moi pour pouvoir le transvaser dans ma petite bouteille. Et voilà, je mets ça en bouteille. Je vous conseille d'utiliser un petit flacon spray, c'est beaucoup plus facile pour l'application. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous l'appliquez directement comme une lotion. Et voilà, notre préparation est prête. On va tout simplement vaporiser cette solution sur le cuir chevelu. Vous allez l'appliquer sur vos cheveux secs, c'est important. Et vous allez tout simplement l'appliquer en pulvérisant. Et vous allez par la suite masser votre cuir chevelu pendant 5 minutes pour bien faire pénétrer la solution. Je vous conseille par la suite d'utiliser un bonnet de douche et une serviette pour garder tout cela au chaud. Vous pouvez garder cette préparation sur vos cheveux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même toute la nuit si vous le désirez. Ensuite, vous faites votre shampoing comme d'habitude. Je vous conseille d'utiliser cette préparation une à deux fois par semaine et d'être régulier pour avoir de meilleurs résultats. Vous pouvez garder cette préparation au frigo pendant une semaine. Au moment de l'utilisation, sortez-la pendant 10-15 minutes pour qu'elle soit à température ambiante et pas que vous ayez le crâne tout froid. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !